dont l'émission Touche pas à mon poste diffusée ce mardi 30 mai, la meilleure amie de Lindsay a pris la parole pour exprimer sa colère. Comme Lindsay, elle subit également du harcèlement au collège. Lindsay, âgée de 13 ans, était harcelée depuis plusieurs mois à la fois à l'école et sur les réseaux sociaux. Malheureusement, elle a mis fin à ses jours le 12 mai dernier à son domicile. Sa mère avait alerté l'Éducation nationale. Quatre mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide et un majeur pour menace de mort, a annoncé, jeudi 25 mai, le procureur de Béthune, Pas-de-Calais, dans un communiqué. Le lundi 29 mai, les parents de Lindsay ont été invités sur le plateau de TPMP pour témoigner de leur tragédie. Ils ont raconté l'histoire bouleversante de leur fille, qui n'avait pas hésité à leur confier son calvaire. Les parents ont alors alerté le chef d'établissement, mais ce dernier semblait sous-estimer la gravité de la situation. La mère de Lindsay a déploré ne pas avoir reçu le moindre appel de la part du directeur du collège depuis le décès de sa fille. Cette révélation a été un choc supplémentaire pour les chroniqueurs de TPMP ainsi que pour Cyril Hanouna. Lorsque les parents de Lindsay ont révélé dans l'émission Touche pas à mon poste que leur fille continuait d'être insultée par ses harceleuses même après sa mort, le choc a été immense pour tous les membres présents sur le plateau. Les harceleuses ne s'en prennent pas seulement à Lindsay, mais également à sa meilleure amie. Ce mardi 30 mai, Maïlys et sa mère ont également fait part de leur témoignage dans TPMP. La jeune fille a exprimé sa colère, sa tristesse et son désarroi depuis le décès de sa meilleure amie. Maïlys a par ailleurs expliqué que le proviseur du collège ne lui avait pas adressé la parole le jour de son retour à l'établissement. Seule sa professeure d'anglais s'est inquiétée de son état pour savoir comment elle allait. Le proviseur n'est pas venu me voir. Le témoignage coup de poing de Maïlys, 13 ans, meilleure amie de Lindsay, victime de harcèlement par le même groupe de filles et de sa maman. Hashtag TPMP PIC. Twitter.com/OCL8ICIO2W, TPMP@TPMP, May 30, 2023. Cyril Hanouna révèle une info exclusive face à cette situation alarmante, Cyril Hanouna ne compte pas abandonner. Il est déterminé à obtenir des réponses de la part du proviseur. Ce dernier n'a pas agi face à la détresse de Lindsay. Et il continue de ne rien faire face à celle de Maïlys. Cyril Hanouna a révélé que le proviseur chercherait actuellement à être muté. La mère de Maïlys a partagé que les seuls appels qu'elle reçoit, ils proviennent de la proviseure adjointe qui lui demande si sa fille a consulté un psychologue. Le récit de Maïlys et de sa mère a profondément choqué les personnes présentes sur le plateau de TPMP. Cyril Hanouna. Love just happened.